Salut tout le monde, c'est Vince, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée qui commence de vlog. Parce qu'aujourd'hui on est samedi 26 août. Comment dire, je filme Miss Périgord aujourd'hui. Miss Périgord pour Miss Aquitaine. Et donc du coup j'ai envie de vous faire partager ça aujourd'hui. Grosse journée, donc là il est quoi? Il est 9h30. Je pars donc à Saint-Cyprien en Dordogne, qui est vers le Bug, je crois, après Sarlat, direction Château de Bénac et tout ça. Je vais filmer tout ce qui est répétition, installer mon matériel, parce que je filme toute la captation ce soir du spectacle. Donc il y aura Miss Aquitaine 2017, il y aura Miss Aquitaine 2016, il y aura du monde. Mais surtout qu'en fait cet après-midi j'ai en même temps une autre captation à faire, plus photo en fait, pour l'association Sarah McBell à Brive. Donc ça veut dire que je vais me taper encore une heure de route en plus, mais ça va être juste extraordinaire. Donc ça va être une grosse journée, je vais essayer de vous faire partager ça en vlog aujourd'hui. Donc je vous dis à tout à l'heure les amis, on se retrouve je pense à Saint-Cyprien. Bisous, bye. Par le château de Bénac, vous pouvez le voir au fond là-bas. Il y a le château de Castelnau qui est à gauche là-bas. C'est juste une route qui est magnifique ici, la Dordogne, parce qu'on arrive sur la route des châteaux et c'est juste trop beau. Moi j'adore passer par là parce que il y a la Dordogne à côté, il y a les châteaux sur les falaises, c'est magnifique. Et ce château-là, Bénac, c'est celui qui a été, quand ils se sont servis pour tourner Les Visiteurs 2. Et je crois aussi Jeanne d'Arc de Luc Besson. Donc je pense qu'on va passer devant en plus. Là on prend la route pour aller là-bas. Et c'est juste magnifique. Et pas loin on a Dom. Dom qui est une très belle ville également. Enfin très beau village. Et voilà, moi je voulais juste vous dire ça en fait. C'est que là je pars pour Miss Périgord et en même temps je voyage. Enfin je voyage, je revois des paysages qui sont juste magnifiques. Donc là je pense que là vous devez le voir. C'est juste trop beau. On est... Dans cette route là de la Dordogne qui est juste merveilleuse. Voilà quoi, donc je vous montre ça. Regardez moi ça, comment c'est magnifique. Voilà, là on arrive à Bénac et Cazenac. C'est juste trop beau. Je sais même pas comment on y monte là-haut, mais c'est juste magnifique. Regardez-moi ce château en haut qui est waouh. C'est magnifique. Les routes sont pas larges ici, c'est étonnant, mais bon. Là on a la Dordogne à gauche et on a le château de Bénac qui est là-haut, qui est trop beau, entre parenthèses. Voilà. Ah, j'ai un beau métier en fait, je vois des trucs qui sont pas trop mal. Là la route est vraiment pas large. Voilà, donc vous pouvez voir le château de Bénac en haut, magnifique. Voilà, mais je vous retrouve tout à l'heure, bis. Bon, voilà ce qui arrive quand on s'est pas doublé. Je sais pas si vous l'avez vu sur la vidéo, voiture qui est partie dans le décor, ça m'a un petit peu choqué. Waouh, les pompiers arrivent et tout, mais bon, ça fout un peu le seum. Mais il est parti directement dans une maison, donc waouh, ça fait bizarre. Mais c'est bon. Allez, on repart, c'est parti. Bon voilà, arrivé à la halle des sports de Saint-Cyprien. J'ai fait déjà mon petit repérage des lieux pour me placer avec mes caméras et tout. Ça va être juste extraordinaire. Les filles sont très jolies. Il y a des très belles candidates. Donc ça va être pas mal aujourd'hui. Et puis voilà, je suis encore un peu choqué de cet accident. Ça m'a un peu foutu le moral en vrac. Mais bon, ça va passer. Donc du coup, là, installation du matos. Et après, petit plan des filles pendant les répétitions.
Je mange avec eux. Je pars après à Brive, à la salle de sport Elancia, pour aller filmer le concours de pétanque pour l'association Sarah McBell. Et puis voilà, et après je reviens ici pour 18h pour faire le gala, pour filmer le gala qui va durer jusqu'à à peu près minuit, je pense. Ça va être juste extraordinaire. À toutes les amis, bye! Bon voilà, là on est à l'élection des Limousins de Miss Périgord. Putain, je me trompe en plus. Donc là il y a du monde qui arrive, on recommence pas, on laisse vous comme ça. Donc là il y a du monde qui arrive, qui rentre. On va commencer dans même pas 10 minutes. Maximum, et puis ça va être extraordinaire, ça va être bien. On a une belle régie son, on a une belle régie lumière qui marche pas forcément. Voilà. Non, on va pas porter la poisse quand même. Bon, allez, à toutes. Bah alors là, voilà, on retrouve les copains. Comment ça va? Ils sont là. Ça va, c'est en live. Mais ça, non, c'est pas en live, c'est sur mon blog, tu sais. Donc Gauthier. Gauthier avec qui on a fait la Martel en décibels et la Brive et Voltaire. Brive et Voltaire, on a fait. Ouais. Non. Et d'ailleurs, on a fini la saison, on a laissé, on a patiné. Voilà, c'est ça. Bah lui, il a fini la saison. Moi, j'ai fait que deux saisons, même pas, j'ai fait deux épisodes juste de la saison. Et ça s'est bien passé. Ça va, on bien. Voilà, on s'est bien amusé. On remercie le travail de Vince qui fait des super visuels et qui a su. Merci, Molo. Merci. On a eu une journée de nos prestats. Nickel. Ciao, ciao. Avec mon Didou, ça c'est mon maître spirituel, c'est mon mentor. Ouais, c'est lui qui est... C'est lui qui m'a formé, à c'est grâce à lui, voilà. À coup de pied dans le cul, je l'ai formé. Attends quoi? Alors là je suis avec Loïc qui est... Chanteur. Voilà, c'est qui, à qui tu parles? À personne, là je suis en vlog en fait. Donc voilà, c'est mon Didou, ça faisait 2 ans que je l'avais pas vu. Oh là là, merci mon Didou, je te fais un bisou moi aussi. Voilà. C'est mon maître spirituel, c'est ça. A toutes, bye. Chers amis, voilà, c'est fini. Quelle expérience de ouf ce qui s'est passé aujourd'hui. Regardez comment je suis extrêmement transpirant. Il fait extrêmement chaud. Alors attendez, voilà. Quelle expérience de ouf. Il est 1h du matin. Je pars de Saint-Cyprien, là, en Dordogne. Parce que j'ai fait... Alors attendez, j'ai participé donc à Miss Périgord 2017. Avec toute la crème de Miss Aquitaine, il y avait Miss Aquitaine 2014, 2015, 2016 et jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à 2017. Il y avait notamment dans Miss Aquitaine, je crois que c'était 2016, Jennifer Demey qui est Miss Météo sur M6. C'est juste énorme, je parlais avec elle tout à l'heure, elle est super gentille. Mais c'est juste ouf ce qui se passe, c'est des expériences de dingue. J'ai pris un pied à faire ça toute la journée. Alors ma caméra 360 est tombée en panne parce que je n'ai plus de place, donc du coup je filme avec l'iPod. Mais voilà, j'ai passé 3 heures, j'ai vu mon mentor, mon maître spirituel qui m'a tout enseigné en vidéo et qui est venu ce soir me voir, et ça m'a fait tellement plaisir. J'ai revu des amis à moi, j'ai revu Justine qui était Miss Périgord de l'année dernière, c'est une amie pareil que j'ai filmé en début d'année. Oriane qui a gagné cette année, pareil que j'ai filmé en début d'année. Juste une journée de ouf. Et en plus j'ai fait 1h15 de route aller et 1h15 de route retour pendant l'après-midi pour rejoindre l'association Sarah McBell pour faire quelques photos du concours de pétanque qu'ils avaient organisé. Parce que comme je vous ai expliqué déjà par rapport à cette association, je suis impliqué à 200%. Et donc j'ai passé une très belle après-midi même avec eux, avec tout le monde, avec l'association, ça a juste été énorme. Et voilà, je voulais vous faire cette vidéo pour dire que ça a été une journée au top. Je vous ai mis quelques images, c'est un vlog assez court parce qu'on reste dans le monde des Miss, donc j'ai pas envie de tout montrer, j'ai pas envie de spoiler les élections et tout, mais je prends un plaisir. Et là, la semaine prochaine, conférence de presse de Miss Limousin, et dans 2 semaines, Miss Limousin. Et le 7 octobre, invitation à Anglette, donc au bord de la plage, pour l'élection de Miss Aquitaine, pareil. Donc ça va être juste énorme.
Donc voilà, chers amis, en tout cas, je vous fais d'énormes bisous. Merci infiniment de me suivre. Mettez un petit pouce bleu si ça vous a plu. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye!